L'autre jour, en sortant d'une salle de spectacle, j'étais tellement enthousiasmé par ce que je venais de voir, et les autres spectateurs avec moi, que je ne résiste pas au désir de vous faire part de mes impressions, sous la forme d'un petit poème que j'ai intitulé « Fanfan la tulipe ». Je me disais toujours, c'est marrant que la France puisse pas faire un film comme Robin des Bois. Ça n'est sûrement pas une question de dépenses. Mais on n'a pas le gars qu'il faudrait pour ça. Il faudrait un gars dans le genre d'Errol Flynn, l'œil malin en plus, la moustache en moins, un petit gars nerveux, qui aurait la taille fine et qui saurait tenir une épée en main. Ah, une fois qu'on l'aurait, on ferait un grand film où qu'il y ait du courage, des fuites, des truands, un film qui nous prenne par derrière les chines et qui nous secoue bien, deux bonnes heures durant. Un film qui nous flanque des envies de courage, des envies de se battre, des envies d'être bien, de donner sa vie pour un petit corsage, pour un beau sourire, de la donner pour rien. Un film qui nous sorte de ces crapuleries où il y a des femmes nues qui traînent dans du sang. Un film sans gangsters, sans meurtre, sans coucherie, et qu'on puisse faire voir à des moins de 16 ans. Un film qui nous rende toute notre bonne jeunesse, qui nous flanque le feu dans le cœur pour 15 jours. Un film qui s'en aille à la bonne adresse, aux gosses qui sont riches, à ceux des faubourgs. Un film qui nous fasse bondir sur le siège, qui fasse dire « Bravo !» aux vieux de 50 ans. Que toute la salle gueule « Fais gaffe, il y a un piège !» et qu'on se morde les ongles à se faire couler le sang. Un film qui soit pur, un film qui soit propre, qui nous fasse sortir de notre sale vieille peau. Un film qui soit là comme une immense porte ouverte pour 2 heures, sur un ciel nouveau. Un film qui serait la belle aventure, une autre belle vie pour quelques instants, qu'on ait des envies de coucher sur la dure, de boire au goulot les bons vins d'antan. Un film qui serait ce qu'on voudrait être, courageux, gouailleur, mais pur, amoureux. Un film qui serait ce qu'on n'a pas pu être, un autre Dupont, un autre l'amoureux. Au nom de tous les gosses qui verront en film, au nom de tous les gens qui rajeuniront, au nom des boiteux, au nom des vieilles filles, mon bon vieux Philippe, nous te remercions. Je ne le connais pas, moi, Gérard Philippe, mais j'aimerais lui dire, là, entre quatre yeux, Fanfan, ça n'était que Fanfan la tulipe, toi, vois-tu, Philippe, t'es un grand monsieur.